Mais y a personne ce matin. Je suis arrivé trop tôt ou quoi? Bonjour à tous les amis. Bienvenue pour un nouvel épisode d'Indisport Go. Je suis aujourd'hui à Biganos sur le circuit de karting Top Gun Evasion et je vais aller à la rencontre de Yannick Thévenet qui est président de l'association Un Baquet pour tous, une association qui propose du karting aux personnes à mobilité réduite. Alors c'est parti, Indisport Go, l'émission du tout est possible, c'est maintenant. Je suis avec Yannick Thévenet, président de l'association Un Baquet pour tous. Salut Yannick. Salut. Toutes les personnes en situation de handicap peuvent faire du karting ici avec toi? Oui, tout à fait, parce que alors, l'association a des kartings équipés pour paraplégiques et tétraplégiques. Et en plus, le circuit de Facture Biganos a un kart biplace. Donc pour les personnes malvoyantes, ou avec un handicap autre que tétraplégique et paraplégique, on a une carte biplace pour les mettre à disposition en fait. Donc c'est-à-dire qu'une personne tétraplégique peut monter dans un karting, prendre place, les sensations, et une personne valide va conduire le karting et ouais, profiter avec lui. Oui, tout à fait. Alors nous c'est ce qu'on... L'association c'est vraiment ça, c'est handi valide. Nous ce qu'on fait c'est qu'on met donc les personnes valides dans la situation de l'handicap, donc elles se mettent sur un kart adapté pour les personnes handicapées, et du coup, comme ça, on ne voit plus l'handicap, en fait. C'est vraiment le point d'honneur qu'on a mis dans cette association, c'est qu'on veut qu'il n'y ait plus de différence. Et j'ai trouvé le karting, en fait. Et comment tu adaptes un karting pour les personnes à mobilité réduite? Mais en fait, donc, avec Mathieu, un ami à moi qui est rentré dans l'association, on a cherché plusieurs systèmes de conduite adaptés. Et en travaillant et en rencontrant d'autres personnes atteintes du même handicap que moi sur des courses dans la France entière, ben vous savez comment ça se passe. Hein. On discute, tiens, je voudrais adapter un kart tétraplégique, comment tu penses qu'on peut faire? Et en fait, avec plusieurs entreprises, on a créé la commande tétraplégique. C'est un tirer-pousser tout simple. On pousse, on freine, on tire, on accélère. Et voilà. Et la personne en situation de handicap profite et bouffe le bitume. Exactement, c'est ce qu'on veut. C'est vraiment le point... je ne sais pas comment dire, mais le point d'orgue de l'association, c'est ça. C'est vraiment se tirer la bourre le mercredi ensemble. Aucune différence, après on boit un coup, on mange ensemble, et voilà. C'est top. Parlons de karting. Est-ce que tu crois que ça serait possible que je teste le karting ici à Biganos? Mais bien sûr, tout à fait. On a un kart pour toi, on peut y aller. Allez, c'est parti. Allez, pareil. Hey. Bon, maintenant, on démarre le kart et puis c'est parti. Allez, je vais te doubler. Bon alors Tanguy, t'en as pensé quoi de cette session-là? Eh ben franchement Mathieu, moi je me suis éclaté. Je me suis vraiment amusé avec le kart, la sensation de drift, de glisse. J'ai fait pas mal de donuts, j'ai bisé pas mal de fois le décor. Hein, parce que ici, il n'étend pas la piste, alors des fois ça glisse et hop, on part en donuts. J'ai senti aussi un petit coup de frein derrière quand t'étais derrière moi là. J'ai cru que t'allais me rentrer dedans. Tu m'as pas vu toi, parce que toi avec ton avion de chasse. D'ailleurs, pourquoi ils t'ont attaché là comme ça? Ah ben ils m'ont attaché simplement parce que ben, par rapport à mon handicap, moi je peux pas serrer avec mes doigts. Donc tu vois, j'ai les deux mains attachées, une sur mon frein accélérateur et l'autre au niveau du volant, pareil. Moi je suis attaché. Un peu comme les sadomaso mais pour faire du kart en fait. Exactement. Mais toi tu prends plaisir à faire du kart? Ah ben toujours. Et vous, parce qu'on s'était déjà rencontré à Drop de Béton au rugby. C'est ça. Qu'est-ce que le karting en sport individuel t'apporte plus que le rugby en sport co? Alors ben, le karting en sport individuel, c'est les sensations. Je crois que là, la vitesse, les vibrations, l'odeur. Et toi, tu fais du kart parce que tu es en situation de handicap de naissance ou comment ça se passe?
Alors non, moi c'est une tétraplégie que j'ai depuis plus de 20 ans maintenant. Un petit accident de plongeon. Et voilà, quand j'avais 19 ans et tu vois j'en ai 42, donc ça remonte un petit peu. Et puis ben, le kart, je suis revenu à mes premiers amours qui étaient la mécanique. Et voilà, donc ça m'a permis aussi de, tu vois, de remettre les mains dans le cambouis un petit peu. Et puis voilà, ce plaisir des moteurs de temps là, qui montent dans les tours, il n'y a rien de mieux. Quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur un baquet pour tous aux téléspectateurs qui nous regardent? Ce que je pourrais dire simplement, c'est que le but pour nous, c'est simplement de faire partager notre passion. Comme je te le disais, sans que ça coûte trop cher aux gens surtout. Quoi. Nous, les gens, ils payent 25 euros à l'année et puis ils roulent quand ils veulent. Voilà, 25 euros, c'est le prix de 10 minutes normalement. Voilà, donc on essaye de faire ça et moi je m'occupe après d'aller chercher les sous pour qu'on puisse continuer à ce tarif-là. Ouais. C'est merci ça. Pour ta bonne humeur en tout cas. Mais pas de soucis, merci et à toi d'être venu. On peut se retrouver sur un circuit karting. Ou sur un autre sport, on ne sait jamais. Carrément. Pas de soucis. Ouais, t'as tes polyvalents. C'est ça. Merci Mathieu. Merci à toi Tanguy. Bon, et bien il est temps pour moi de quitter Viganos. J'ai passé un super moment avec un baguette pour tous. Merci à eux de m'avoir reçu. Et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Andy Sport Go. Salut.